Bonjour à tous et à toutes, bienvenue les potos et les potes pour un nouvel épisode du DLC Separate Ways de RE4 Remake. On s'était arrêté, rappelez-vous, après avoir sauvegardé près du marchand, et là on va aller au niveau du village, là où était Léon Schlack. Et on avait récupéré aussi, acheter un fusil à pompe. Tac, tac, équipé. Mettre en raccourci. Ici. Ok. Donc là. Schlack. Pas mal. Attendez. On va se mettre à la lumière du jour parce que là, c'est un peu sombre. Ah, il est plutôt pas mal, ma foi. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, on a pas beaucoup de balles de peupon. Au niveau du flingue, ça va. Et au niveau de la mitraillette, ça va aussi. On va garder le flingue. Le peupon, ce sera vraiment au niveau du combat rapproché. Mais bon, tu me diras, j'ai déjà la mitraillette. Ouh. Tout à fait. Là. Appel de Clemente. Maître, en y repensant, c'est étrange qu'Isidro m'ait épargné. Depuis que cette créature en robe noire m'a blessé, je me sens bizarre. J'ai commencé à voir des hallucinations. Le ciel change brusquement et c'est comme si je me retrouvais plongé dans un autre monde. Et puis, cette chose apparaît. Mais cette fois, il y en a des centaines. Ouais, c'est ce qu'on avait vécu au début... Du DLC. Maître, je vous en supplie, il y a-t-il un moyen d'échapper à ce cauchemar? Vous vous rappelez de ce moment où il y avait des spectres de créatures qui apparaissaient comme ça tout autour de moi et qui me touchaient, qui étaient capables de me faire mal? C'était un peu étrange d'ailleurs. Ouais, des fantômes ou des hallucinations qui me blessent, ouais, c'est pas commun. Sadler. Le chef de la secte. Ah, tu sais, toi? Tu t'es déjà renseigné? Oula! Oula! On a récupéré un spinel ou une spinelle, je sais pas comment ça se dit. Je ne sais pas si c'est féminin ou masculin. Poudre noire. Là. Ok. Là, ici. J'allais passer à côté. De l'herbe verte. Et ma foi, on est bien. Mais attends. Non. Allez, on récupère un maximum de choses. Ah ! Et ben voilà. Paré. Ah, excellent. Cassos. Tiens, on va essayer le pont. Cheese. Enfin non, dit cheese. Recharge. Attends. Je vais faire un mélange entre ça et ça. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Utiliser. Cadeau. Mitraillette. Yes. Coup de pied karaté. Ah, tu l'as mauvaise, hein. Bah ouais, je vais pas me laisser faire, mon gars. Tu te mets le doigt dans l'œil. Merde.
Wow. Sac. Wow, merde. Ici. Mais t'es chiant de te téléporter comme ça, là, trou de balle. Merde. Ouah, qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais mourir. Et mince. Oh là 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 là. Continuez. On va essayer de faire bien mieux. Mais je vous garantis rien. Donc là, je peux passer la cinématique, on l'a déjà vu. Pas me laisser tranquille. Mêlée, what the? Ah, il est vénère. Il a pas apprécié mon coup de pied karaté. Merde. Oh non, c'est ça, non. C'est ça. Non, c'est par ici. Utiliser. What? Ah ouais, j'arrive à contrer. Mais je vais encore crever, mais c'est un truc de ouf. Hop là. Eh, hey, j'ai contré. Le brouillard, il s'est ici. C'est la merde à mort. Oh yes! Oh, c'est le miracle! Allez, recherche. Passe. Qu'est-ce que je fais? Merde! J'avais pas vu qu'ils étaient derrière. Petite grenade. Non! Oh, j'en ai marre.
Qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là. Ok. Maintenant, là. La maison de Mendes. Ah, le pauvre flic, il a bien cramé. Oh, cette odeur de chair brûlée, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Punaise. Est-ce que j'ai des choses à récupérer là? Ouais. Grenade, la queue dalle. Ici. Oh ouais, des munitions. Alors vas-y, recharge. Ah, il a bien bouffé mes balles, le con, hein. Bon, j'ai très certainement mal joué, mais quand même. Un saphir. Là, dans ces armoires, je ne peux pas. D'accord, ok. Oh. Un cul-de-sac, on est d'accord, ouais. Donc là, demi-tour. Là en face. Ouais, attends. On va d'abord regarder tout ce qui est lié au niveau 0. Comme là. Il y a forcément un truc. Non, je peux pas pousser ça. Ah, des balles de peupon. On récupère du pognon, ça, ça fait plaisir. Mais moi, en vrai, ce que je voudrais, ce serait de la vie. Oh là! Grenade. C'est que je vais comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc ici, c'est good au niveau de la tour. Ah si. Si je vais là-haut. Ouais. Oh là là, la pauvre Ada. Eh, hey, tu vas avoir plein de verre dans tes cheveux. Là, ma pauvre au coiffeur, ça va être compliqué, hein. J'aime bien faire des roulades. Non. C'est quoi ce bruit là? J'ai pas de clé. Oh, ça pue. Ah ouais, on voit du moisi. Ah. Flacon de parfum chic. Cool. Ça va me rapporter de la thune. Grenade. Ça tombe bien, j'avais jeté deux grenades, j'en ai récupéré deux. On va regarder un truc. Donc là c'est ok. Ah non. Là tout droit. Ben oui non mais on vient de par là. On vient de par là. Ouais ouais. C'est que je vais là. Tout droit c'est mort. Là, je vois d'ici, il y a tout un tas de détritus devant. Et là, à droite, je peux y aller.
bleu velours. Il y a quand même masse de choses à récupérer. Hein. Clairement, on papillonne pas pour rien. Ça devrait plus être loin. Là. Qui veut du jambon? Chapitre 2 terminé. Machine à écrire. On sauvegarde. Et let's go pour le chapitre 3. Continue à les distraire, Léon. J'espère qu'il y a quelque chose sur Louis. Louis ? Là. Hier, j'ai regardé Jackie Brown. Jackie Brown. Avec Robert De Niro, Samuel L. Jackson. Et je sais plus comment s'appelle. La nana afro-américaine. Ah, merde. C'est quoi son nom d'actrice ? Je le savais. Bref. Mais en tout cas... Puis Bridget Fonda, et dans le film, au bout d'un moment dans le film, je dis pas quand, mais Robert De Niro s'appelle Louis, et elle se fout de sa gueule de lui, parce qu'en fait ils sont paumés dans un parking, et elle l'appelle, alors tu sais plus où elle est la voiture, Louis? Alors Louis? Non? T'as pas toujours trouvé la voiture, Louis? Elle est comme ça, elle est lourde! Donc forcément, le mec il s'appelle Louis aussi dans le jeu. Donc on va dire Louis. Au moins leur livre sacré a pas l'air mal. Ouais, c'est plutôt bien. Bonne qualité et tout. Louis. Où c'est que t'es, Louis? Tiens. Là. Est-ce que... Oui, c'est ouvrable. Voilà. On pourrait nettoyer. Ah ouais, on voit bien la merde. Hein. Non mais ok, moi je suis pas contre les toilettes sèches, mais quand même. On dit un toilette sèche ou un toilette sec? Bref, mettez de la sueur quoi, bordel. Les mains vides.
9. Cool. Oh. Ah. Je peux te buter la poule? Merde, j'avais l'impression qu'il me tournait autour. Genre, hé, tu veux bien devenir ma copine? Et si tu veux bien, bah, je pondrai des œufs comme ça de temps en temps. Je pourrais la buter. Hein. Mais je vais pas la buter. Pourquoi je la buterais? Ah bah tiens. Pouah, super. Clé cachée. Non. Alors, ça m'étonne un peu. Mais c'est pas grave. On va remonter à l'étage. Quoique, attends. Ouais, non. Et on va remonter à l'étage. Et je vais voir si je peux utiliser la clé. Est-ce que la clé, c'est pour ouvrir le meuble qui est fermé? Ou est-ce que c'est pour ouvrir la porte? Ah bah tiens. Bingo, salle d'interrogatoire. Mes frères et sœurs, notre seigneur est contrarié. Vous ne devez pas tuer les intrus sans raison. Tout individu a droit à un jugement équitable. Désormais, nous procéderons à des interrogatoires de manière solennelle et impartiale. Emmenez vos prisonniers au sous-sol de l'usine. Faites-en de même avec les traîtres. Ah bah voilà. Il paraît qu'ils l'ont mis là. Inutile de fuir. Tayo, tu peux taper dans le vent, il n'y a pas de soucis. Ok, là je sais pas de récupérer quoi que ce soit. Oh, quoi que va. Mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Il s'est téléporté ou comment ça se passe? Excusez-moi, je ne fais que passer. Je l'entends s'approcher là, fabriquer. Tac. Je peux consommer l'œuf. Et consommer ça. Maintenant on fait ça. On va fabriquer de la poudre pour la mitraillette. J'en ai encore, ouais. Donc là, de la poudre pour le fusil à pompe. Et c'est tout. Ouais. Ça suffit. Toujours là. Non, ça suffit pas. Merde. Oh. Là, je peux passer ou pas? Yes. Ah ah. Dans votre cul. Je crois que je les ai enfin semés. C'est pas qu'on les a semés, hein. C'est juste qu'il y a une putain de porte qui nous sépare d'eux. D'ailleurs, je suis étonné parce que, connaissant la puissance du Lascar, il pourrait peut-être soit passer par-dessus, ou alors la défoncer. Carrément. Bon. J'ai reçu quelques nouveautés qui devraient t'intéresser. Tant mieux. Oh là! Je cherche un blouson qui a été volé. C'est un modèle très classe en cuir de mouton. Tu pourrais essayer de le récupérer? Donc là, vendre un blouson, usine désaffectée. Spinel x7. Alors attends. Tac. Tu trouveras certes
Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Attends, moi je vais te vendre ceci. J'achète tout et n'importe quoi. Voilà. Clé cachée, non, à la garde. Horloge. Alors, attends. Ça, déjà, je peux te vendre. Une affaire bien conque. J'espère te revoir. Là, ensuite, on va aller dans les trésors. Là, sertir. On va mettre ça. Voilà. Comme ça. Regardez, elle coûte 24 200 pesetas. Étrangère. Bienvenue, étrangère. J'ai encore d'autres bricoles en main. Une affaire bien conclue. Ça sert à quoi? Destiné à être vendu. Merci. Vas-y. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Échanger. Donc là, on regarde. Oui, mais non. Que l'argent n'achète pas. Modifier. Donc là, on peut améliorer encore une fois le flingue. Comme tu l'as demandé. Pas le flingue, le couteau. Le flingue. 20 000 le flingue, hein. C'est un peu cher. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. Et c'est ça pour voir. Il y a 15 000 aussi, hein. Capacité. Allez, vas-y. Et voilà, comme tu l'as demandé. On va s'en servir, donc ouais. Le flingue, capacité, rechargement. C'est un travail qui demande de la finesse, étrangère. Et acheter, on a quoi? De petits ajustements peuvent faire toute la différence. Viseur laser, ça c'est pour le Punisher MC, un spray, ça je peux le prendre. Tu fais des réserves au cas où, c'est une sage décision. Extension mallette, je prends. Tiens, étrangère. Et là, on a un porte-bonheur. Donc là, on a quoi? Augmente de 15% la fréquence du bonus de création de munitions de pistolet. Augmente de 15% la fréquence de bonus de munitions de fusil. C'est tout ce que j'ai. À apprendre Don José. Tiens, étrangère. J'ai plus que 500 pesetas, hein. Punaise. Ok. Valise. Bah attends. Comment je fais pour ajouter mon truc? Ah non, mais attends, mais c'est pas là. Non. Oui. Mettre à gauche. Super. Là, le coffre. Est-ce qu'on retire quelque chose? Ma foi, non. Sauvegarder. Cool. Donc si je vais par là. C'est un cul-de-sac ou quoi par là? Tout à fait. J'y allais en hésitant, hein. Je me disais en moi-même, merde, putain, si je passe par là, peut-être que je vais lancer une cinématique et je pourrais plus faire demi-tour. Salut, mais non. Étrangère. Salut. Il y a quelque chose. Interactive Retinal Inquiry System Iris. Le système Iris permet de repérer des indices presque invisibles à l'œil nu. Ada pourra s'en servir pour découvrir de nouvelles informations qui l'aideront dans sa mission. Sûrement Mendes. D'accord. Donc lui, il est parti par là. Moi, je vais aller par ici. Sauf que je ne peux pas. Ça s'ouvre. Porte pas. Fermée. Et là, la vanne, impossible d'interagir avec. Hop, 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 hop. Attention au piège. Oh la vache!
Il m'a bien embroché. Hein. Bouge. Le blouson. Demi-tour. Je veux récupérer mes spinels. Je sais pas quand est-ce que je recroiserai la prochaine fois Monsieur le Marchand. Nous bienvenue. J'ai réussi à mettre la main sur quelques raretés. Blouson. Oh, tac. Bien joué, étrangère. Bien joué. Reviens quand tu veux, surtout. Bah comme ça, ça me fait 11 spinels. Parce que j'en avais 4. Là, j'en ai récupéré 7. Doucement. Ouais. Voilà. Schlack, petit raccourci. Donc là, vu que ce sont des flèches explosives, je vais... J'en ai combien ? 3. Mettre un raccourci là. J'espère qu'il est là. Ben moi, j'espère pas. Hein. T'as vu le bonhomme quand même ? Oula. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui t'arrive, Ada? Tu t'es cogné la tête? Le monsieur, le vilain monsieur, il t'a poussé un peu trop fort? Oh, tot. Herbe rouge. Fabriquer. Tac. Fabriquer. Ok. Fabriquer. Non, je peux plus. Et il m'en faut 6. Wow. Heureusement que j'agrandis la taille de mon inventaire, hein, parce que sans ça, aïe aïe aïe. Bingo. Ça, ça va me permettre d'agrandir ma jauge de vie. Fabriquer. Non. En fait, on va aller là. Fabriquer avec ça. Faut pas faire mieux. Évidemment, il y a personne. Ah, mais ouais, c'était là où étaient enfermés Louis et Léon. Mais attends. Louis qui a fait ça? Ce sont celles de Louis? Oula. Me dis-moi pas que je vais devoir faire demi-tour? Allons-y. Hein. Attends, mais j'ai... Ah, attends. Hop là. Non, mais j'ai l'impression que ça s'arrête là. Ah ah. Tradition, filtro.
422, 16, 25. C'est peut-être sa fréquence. Ada. Je savais que tu me trouverais. C'est mon job. Ça y est, t'es prêt à me donner l'ambre ? Il y a une grande maison un peu isolée après le moulin. Tu vois où c'est ? Ouais, ça me dit quelque chose. On se retrouve là. Je t'attends. Désolé, Louis, je vais être en retard. Mais je suis tout seul, les gars, hein. Oh. Hop là! On esquive. Ouais, je passe comme ça. Hop là! On esquive. On passe. Vite. Oui. Dure journée. Wesker, qu'est-ce qui me vaut cet honneur ? Arrête de me faire perdre mon temps, Ada. Trouve Louis et apporte-moi l'ambre. En tout cas, merci pour la chambre. Vous restez ? Pour m'épauler ? Je ne suis pas ton babysitter. Arrange-toi pour être un atout et pas un fardeau. Je ne tolérerai pas plus longtemps ton incompétence. Mollo les menaces, Wesker. Fais ton travail. Je te recontacte. Ada, tout va bien? Je t'attendais. Tu viens toujours, hein? Ouais, j'ai juste eu un petit contretemps. Je suis en route. Ça marche. À tout à l'heure. Ciao. L'hérésie. Hier, j'ai dit Walker. Enfin, hier, tout à l'heure. Parce que là, en fait, j'ai fait le premier épisode en début d'après-midi. Là, on est en fin de soirée. Donc, du coup, bon. J'ai eu largement le temps de voir vos retours. J'ai vu que ça vous avait beaucoup plu. Hein, là encore, tout à l'heure, avant de. J'ai pas pensé à vous le dire, mais je l'aurais dit peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai que j'ai vu que le premier épisode avait bien plu. Donc, j'espère que bah, vous êtes contents de ce deuxième épisode jusque-là. Et. C'est vrai que au montage, je me suis réécouté et ouais, j'ai dit Walker, mais c'est pas Walker, c'est Wesker. Désolé. Donc au final, hein, on revient dans cette baraque après tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Et là, on peut dire clairement merci Wesker, parce que sans ça, ça aurait été la merde. Ouais, j'ai plus rien là. Oh. Briquet, munitions. Tac. Ok.
On récupère ça. Mais attends. Je reviens là-dedans. Je regarde s'il n'y aurait pas autre chose qui serait apparu. La poule est toujours là. Non mais je pense que c'est bon. On va passer par derrière. En plus de ça, on passe par derrière et c'est humide. Donc ça va glisser comme dans du beurre. Lol. Non mais... Je regarde si j'aurais pas raté un truc tout à l'heure. Mais je pense pas. Ah merde! Punaise! Oh! On peut pas faire le tour! Ok. Je passe par là? Yes. Juste avant. On va regarder par ici. Ouais, un cul-de-sac. Un énième! Tout est fait pour vraiment que tu prennes la bonne direction. Hein. Il est interdit de papillonner dans ce jeu. Il y a autre chose. Non. Voilà, déstresse un peu. Là ici. Non, on y avait été. Là on prend le sens inverse par rapport à tout à l'heure. Ben oui. Tiens, monsieur le marchand. L'intrus est dans la villa, que tout le monde se rassemble, réveiller notre grand enfant. J'ai exactement ce qu'il faut pour une professionnelle comme toi. Attends, y a pas une petite note là, y a pas un défi, non? Bienvenue. J'ai réussi à mettre la main sur quelques raretés étrangères. Moi, j'ai pas grand chose, hein, je t'avouerai. On pourrait acheter des clés. Et à certaines choses que l'argent n'achète pas. Une autre fois, peut-être. Ouais. Ouais, une autre fois, ouais. Alors, ma mallette. Coffre. Toi, le couteau. Ah, bah non, on va pas le jeter alors. Ah, mais je peux pas non plus. Punaise. Ouais bah non, on va rester comme ça. Ça va être chiant mais on n'a pas le choix. Hein. Ouais tu vois, regarde déjà. Je suis limité là. Ils ont recramé le cadavre mais ils sont fous. Vous n'avez pas marre? Vous voulez que ça sente le cochon brûlé? Merde! Mais qu'est-ce que c'est? C'est ma faute? On s'écarte parce que la portée est assez lointaine. Éloignée quoi. Ok super. Pas le choix. Culé. Mais ils font trop mal. Non, mais
putain. Parce que t'as l'autre qui me tire toujours avec son arbalète. Putain, je joue pas bien. Je prends beaucoup trop de dégâts. Hein. Mais attends. Non. Yes. Ça commence à être mieux. Poudre noire et un peu d'argent. Là, encore de l'argent. Oh punaise. Non mais c'est pas vrai. Eh, faut que je fasse attention là. Je suis en train de me transformer en Pierre Richard. En moins. Voilà. C'est ça qu'on veut. Vous et moi. Un Marcus qui sait jouer, qui sait tirer. Niette. Là, je peux pas, forcément, il y a une roue devant la porte, on peut pas la pousser la roue. Pourtant, une roue, ça tourne. Non, on peut pas. Ah, le con. Ah, punaise. Magnifique, merci mec! Je l'ai tué? Ah ouais. Bah ok. Plante verte. On dit pas non. Est-ce que j'avais récupéré? Non. Par là d'abord. J'ai vu qu'il y avait des caisses à péter dans des tonneaux. C'est pareil. Poudre noire. Là, on va en profiter pour fabriquer des balles de fusil. Non, des balles de mitraillette, oui. Allez. Comme ça, ce sera fait. Merde, le coup. Punaise. Va manger, t'es mort. Ah, je pouvais pas être plus près, là. Hein. N'importe quoi. J'avais limite le flingue collé contre sa peau. Ouais, bof. En termes d'interactivité, hein, c'est pas terrible. Hein. Tout ça, c'est fermé. Si je vais par là. Idem.
Wow. Oh, super. Mais c'est ça que je voulais depuis tout à l'heure. Fabriquer avec ça. Par là. Balle pour le peupon. Flèche explosif x2. Des balles de pistolet poudre noire. Et là... Ah, ah. Qu'est-ce que ça va être? Saphir. Cool. Eh ben, t'as vraiment la cote, Louis. Attends. Couteau de cuisine. Là, faut que je l'affronte, faut que je tire dessus là. Putain. Hop là. Tu vas-tu t'arrêter là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Avant qu'il détruise tout. Oh la vache! Oh le bâtard, comment il m'a embroché. Mais c'est pas fini!
Ok. L'heure de dormir. Faites beau rêve. Hey, t'as pas une clope? Bien sûr, ta marque préférée. Alors, où est l'ambre? Malheureusement, je l'ai pas sur moi, là. Et tu devrais plutôt me féliciter pour mon excellent travail. Parce que je me suis cassé le cul pour le planquer, juste avant d'être capturé. Ce qui me vaut d'ailleurs... d'être encore en vie. On était d'accord. On te faisait sortir d'ici en échange de l'ambre. Pas d'ambre, pas de protection, Louis. À cheval sur les détails, hein, Ada. Très bien. Je vais le chercher maintenant, ok? Et j'ai aussi quelque chose d'autre à aller chercher. Chapitre 3 terminé. Alors, non, pas là. Machine à écrire. Sauvegarder. Tac. Bah, il était plutôt cool ce combat de boss avec El Gigante là. En mode, il défonce le bâtiment au fur et à mesure. Heureusement que j'avais beaucoup de bastos sur moi. Hein. Mais sans ça, aïe aïe aïe. Allez, sur ce, les amis, moi je vais m'arrêter là. Vu qu'on approche de l'heure de gameplay, j'espère que ça vous aura plu. Vous me le ferez savoir dans les commentaires, bien évidemment. J'espère que vous me lâcherez vraiment un message par rapport à ce qui s'est passé dans la VOD. Bien sûr, avant de partir, n'oubliez pas le pouce en l'air, le partage, l'abonnement, la petite cloche. Ciao, bye bye.